Alors, c'est officiel, les transferts FSD Tesla reviennent jusqu'au 31 août 2024, donc il a cédé à nouveau Musk. Les transferts FSD sont désormais de retour pour une quatrième fois si on en croit Elon Musk, la dernière fois. La dernière offre est valable sur les achats de nouveaux véhicules Model S, 3X et Y jusqu'au 31 août 2024. Comme pour les périodes de transfert précédentes, la date limite est celle de la livraison à laquelle la livraison est effectuée, mais il y aura une certaine marge de manœuvre sur la date limite si la date de livraison est décalée en raison de facteurs indépendants de la volonté du propriétaire. Donc en gros, si c'est la faute de Tesla que c'est décalé, quoi. De plus, les propriétaires n'ont pas besoin d'échanger leur véhicule équipé du FSD car Tesla le retirera simplement et l'ajoutera au nouveau véhicule. L'offre ayant été lancée le 24 juin, ça signifie qu'elle n'est techniquement disponible que pendant un peu plus de 2 mois, et non 3 mois comme promis. Il reste à voir si ça sera réellement la dernière fois que les FSD transférés seront proposés. Bon, alors, évidemment, ça vaut pas pour l'Europe, hein. C'est que pour l'Amérique du Nord, du coup. Voilà, donc à voir si ce sera la dernière fois ou pas. Moi, je pense que ce ne sera pas la dernière fois qu'il va continuer à le faire. Ciao.